4 times from front. Flexion. Now what's the echo from front? Ceux qui ont le même taille, on les rassemble. Et ils forment un monôme. C'est comme ça. Ils forment un monôme. Et par rapport à la taille, c'est ça qui est le degré de... La taille, c'est ça qui est le degré de quoi? De ce monôme dans le polynôme. Comme ça, et celui qui a le plus grand, la plus grande taille là, c'est ça qui est quoi? C'est ça qu'on a, c'est lui qui est quoi? C'est cette taille là. Le monôme qui a la plus grande taille là, c'est ça qui est quoi? C'est ça qui sera la qui sera le degré du polynôme. C'est comme ça. Donc, on rassemble ceux qui ont les mêmes tailles, on les forme, ça devient un monôme. C'est comme ça. Tel est ce qu'on appelle polynôme. C'est comme ça. C'est comme ça et le poly, c'est comme ça qu'il fonctionne. Le poly ne tient pas quoi, il ne tient pas la règle pour raffiner la fonction, c'est-à-dire pour raffiner la solution brute, mais c'est le pilon qu'il prend. Et les cases. Et voyez-vous, dès que vous faites un développeur limité, dès que vous faites une nouvelle fonction, vous les pilez pour obtenir son développement limité. À partir de cette développement limité, avec le développement limité, vous captez quoi? Vous levez n'importe quelle détermination dans le cadre des limites. Donc, quand vous êtes en train de calculer une limite, une fonction, et que vous êtes bloqué, il vous suffit de faire quoi? De piler la fonction. C'est-à-dire de faire, de la transformer en polynôme, de la transformer en quoi? De faire ce développement limité, de faire son développement limité et de s'en servir. Vous allez voir. Vous allez lever l'intégration rapidement. L'intégration va disparaître. Si dans le calcul, vous êtes bloqué, continuez. Continuez à aller à un ordre supérieur, dans le développement limité. Si l'autre fois ne vous permet pas de trouver la réponse, continuez à piler. Vous pilez, continuez. Continuez à aller à l'autre cadre, et voir si ça ne voit pas encore, aller encore à un ordre supérieur et continuez. Vous allez trouver, c'est clair. Les déplacements sont arrivés. C'est comme ça. Donc, et vous dites quoi? Et qu'on pile, et qu'on tient. Le pilon, on pile, comme l'a été enseigné à quoi, à Joseph. Et ça qui signifie même aussi quoi, ce que signifie aussi son fait qu'il est jeté dans le puits. Le puits c'est le mortier, c'est un mortier. C'est un nœud, c'est un mortier.